C'est une des mesures phares de Bordeaux Métropole en cette période de crise sanitaire et économique. Un plan de soutien métropolitain à l'économie de proximité pour un montant total de 80 millions d'euros. Voté à l'unanimité par le Conseil de Bordeaux Métropole, ce plan de soutien se déploie en trois phases. Tout d'abord, un plan d'urgence de 20,45 millions d'euros pour la trésorerie, la digitalisation des commerçants et artisans, mais aussi l'aide au loyer. Si en plus des aides de l'État, on peut avoir aussi des aides locales, je pense qu'aujourd'hui c'est essentiel. Aujourd'hui, on est sur les réserves et toute aide financière sera de toute façon salvatrice pour nous. Sans oublier le secteur du tourisme fortement impacté avec 2,65 millions d'euros d'aide allouée. Autre volet de ce plan de soutien, 103 000 bénéficiaires recevront une aide versée par la Caisse d'allocation familiale. Objectif, soutenir la consommation locale. Aujourd'hui, nous, notre besoin, c'est de nous aider à continuer et à poursuivre notre activité. On a besoin que la métropole et les autres collectivités nous aident à continuer à développer de nouveaux marchés, de nouvelles activités. Enfin, un plan de relance pour l'économie à moyen terme qui met l'accent sur la commande publique de Bordeaux Métropole. Toutes les informations sont à retrouver sur fondsurgencebordeauxmétropole.fr.